Ça coûte chaud, hein. Plus ça approche, plus j'ai la trouille, mais bon, comme tout le monde, hein, c'est vrai que le mass start, ça fait stresser un peu, c'est super important, surtout là, il n'y a pas trop de pédalage, donc tu peux pas trop revenir, voilà, c'est beaucoup du sentier, il faut partir dans les premiers, et voilà, il faudra faire sa place. Il faut envoyer parce que demain, il n'y a pas trop de place, je suppose, bien pour la ligne sur le glacier. Maintenant, on va être dans les premiers. Les qualifs ont été bien sportifs chez les nanas, quoi qu'on puisse en croire hier. Je suis satisfaite de ma place parce que c'était très typé DH et je finis 7ème, donc contente, surtout vu les nanas qui prenaient le départ hier. Bah, beaucoup de filles, ouais, Anne Caro qui est toujours là et qui gagne toujours aussi. Mais il y a Tracy aussi, Tracy Mosley qui est là cette année, Sabrina Jaunier. Je fais plus que du vélo parce que bah, l'Alpe d'Huez, c'est le pays de l'enduro et de la descente. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Ce qui me plaît, c'est faire du vélo tout simplement. Hein. Après, bon, une fois que ça s'est un peu écrémé, on se retrouve un peu chacune toute seule et j'aime bien rouler toute seule quand même. Et j'aime faire plaisir sur mon vélo, quoi. Il fait super beau, il y a une super vue et on peut rouler à fond et c'est classe. Ouais, bah c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour la compétition, pour le suspense et tout ça. Et même moi, franchement, gagner tout le temps, sans forcer, c'est pas forcément top pour le sport. Voilà, donc j'ai la pression. Ça va pas être facile. Surtout là, le glacier est vraiment très mou et ça va être un peu carnage au début. Donc on verra bien. On est là aussi pour s'amuser, donc on va essayer de prendre un maximum de plaisir tout en essayant d'aller vite, on verra bien.
ligne droite arrivée sur vos applaudissements pour Anne-Caroline. Voilà l'intérêt déjà par sa popularité. C'est pas tous les jours qu'on peut faire une course avec autant de concurrence. Et puis surtout aussi pour mes partenaires. Là par exemple j'ai fait un super glacier, donc du coup j'ai fait vraiment l'écart au début. Après il y avait du brouillard, elle pouvait pas me prendre en chasse. Donc je roulais à un bon rythme quand même. Je voulais pas trop qu'elle me rattrape. En même temps je voulais garder de l'énergie au cas où quelqu'un me rattrape. Et puis en fait c'était quand même plus vite que tout le monde. Et d'être devant et d'être seule, j'ai vraiment pu gérer mon effort. Et ça aussi, sur la totalité de la descente, ça fait aussi la différence. It was good. It was, the Mega is always going to be one of the toughest races out there. The snow, there was a lot of snow this year, and today the conditions were the worst I've ever seen for the snow. Super soft, and a mix of rock and snow, and even water at times. So it was a big running race, and I don't do running very well, so I had an okay start, but then dropped back to about sixth after the snow, and then took a while to pass people to get back up to second, but by that stage Ankara was far gone. So l'analyse du départ, c'est que c'est pas mal gelé, ça va aller super vite, il y a plusieurs trajectoires, ou prendre dans la terre ou prendre dans la neige. Personnellement je pense que je vais prendre dans la terre. Parce que la neige ça glisse vraiment et je pense qu'il n'y aura que les 5 premiers qui vont passer. Et je préfère assurer le coup pour le bas du glacier. Donc voilà, donc de toute manière tout va se jouer ici, hein, de toute manière. Après ça sera que quelques places ou quelques places de gagné ou quelques places de perdu. My
Bah ouais, vraiment content, c'est mal parti au bout de 100 mètres, je pensais pas pouvoir faire ça. Je suis tombé sur la glace juste derrière René, donc là quand t'es dans le carton tu te dis c'est chaud. Après il a fallu attaquer fort, je suis pas trop mal sorti, du coup je dois sortir 6-7 du glacier. J'ai vu que c'était Nico devant, je me suis dit putain là avec le retard c'est mort. Donc j'ai tout donné et puis bon, il avait beaucoup d'avance et voilà, malheureusement il était chute plus casse mécanique, donc je profite un peu de ça, ça m'a bien aidé parce que j'avais du retard, donc vraiment content parce que honnêtement je crois que tout le monde avait la trouille sur cette ligne de départ, c'était vraiment chaud quoi. C'était ambiance un peu tendue.